beaucoup de choses à faire. Là, il y en a beaucoup moins, du coup, dans la haute ville. Donc, on va y aller. On la connaît de nuit, donc on va juste voir de jour ce qu'il y a. Il doit avoir des quêtes, de toute façon. Juste avant. Fenrir. Oui, non, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Mais qui on va prendre comme voleur? Parce que lui, on le garde pas jusqu'à la fin. Parce que c'est pareil, je peux... Ah oui, il a pas assez en dextérité, mais... Nécessite deux armes. Ouais, bon, ok. Bon alors, voyons voir. Alors, elfe, Bonjour cette madame. chose que vous faites avec la main Ah, avec assistance. voilà, je t'ai rendu ton truc. Alors, attribut, on va augmenter. J'ai envie d'augmenter mes dégâts. Mes dégâts. Et mes dégâts. Et du coup, je suis quel niveau d'ailleurs? Niveau 7. Mais il me faut 7 points. Non, niveau 10, d'accord. Probabilité de fragilisation 40% contre les cibles gelées. Ou alors le cône du froid. Ben, on va prendre le cône du froid. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Je parie que c'est très ben, ne dis rien. Alors, ben, apparemment, il n'y a pas de quête. J'essaierai un jour pour voir. Les robes de Jean-Luc. Hein? Ah ouais. Résistance au froid et à l'électricité, c'est intéressant. Mais pour l'instant, il faut que j'économise, il me faut 50 souverains. Donc je résiste à la tentation d'acheter. Cette tenue est vraiment dégueulasse quand même. Elle est vraiment, vraiment dégueulasse. Alors, monsieur, dites-nous tout, qu'est-ce qu'il a, votre fils? Bien sûr qu'il. Ce sont les oiseaux les plus laids que j'ai jamais vus, même si ce ne sont que des statues. Ce sont des choses qui arrivent. Sénéchal, libération non sollicitée, une amie pour les gars. Ah oui. Alors ça, c'est on verra après. Allons voir d'abord Inutile ici. d'insister, le vicomte Dumar ne reçoit personne. Si vous avez des nouvelles de Seimus, je transmettrai. Soit. Dites à Dumar que mes éclaireurs ont repéré le garçon et son ravisseur Kunari sur la côte escarpée. Je vais me lancer à leur poursuite avec une compagnie entière. À mon retour, je compte sur lui pour aligner la monnaie. Tout ce monde pour traiter avec un seul Kunari? Un peu excessif, non? C'est peut-être un Talvashov. Les Winter ne laissent rien au hasard. Dégagez-moi le passage! Un Talvashov en langage Kunari, je crois que c'est un traître. De quoi s'agit-il? Le fils du vicomte a été capturé? Manifestement, d'autres que moi ont eu vent de la promesse de récompense. Il semblerait, en effet. Et croyez bien que je le regrette. Comme je l'ai dit aux autres, le fils du vicomte Dumar, Saemus, a disparu. Nous soupçonnons les Kunari de l'avoir enlevé. Si vous voulez tenter de le ramener sain et sauf, ne vous gênez pas. Je n'ai certes pas donné l'exclusivité de la mission à ces Winter, aux méthodes barbares. Très bien, je ramènerai Seimus. Le garçon ne tardera pas à rentrer à la maison. Si vous le dites, sachez simplement que la récompense ira à celui qui nous le rendra sain et sauf. À vous de traiter avec les Winters si d'aventure vous les croisez sur la côte escarpée. Ok. Et... Bonjour, bonjour, vous inquiétez pas, je fouille, hein, c'est tout. Bon, j'imagine que tu peux pas l'ouvrir. Vous voulez que je fasse ça? Non, 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 je veux que tu te rendes utile. Juste ça. Là, on peut pas y aller. Qu'est-ce qu'il y a par là? Moi j'attends depuis ce matin. Eh ben tant pis pour toi. Silence! Alors. Alors. Une amie parmi les gardes, voyons. Aveline. Ah bah tiens!
Bonjour, Oak. Quel accueil ? C'est longtemps, n'est-ce pas ? Quoi ? Oh oui, excusez-moi, j'ai l'impression que nous venons à peine de nous parler. J'ai gardé un œil sur vous. L'un des intérêts de ce travail est qu'il permet de recueillir des informations. Attention à Bartrand, c'est une ordure. Vous cherchez encore à m'espionner ? Vous savez que je n'apprécie guère que vous me fassiez surveiller. C'est ça ou c'est moi qui campe devant votre porte ? Après ce que nous avons traversé pour arriver ici. Eh bien, je sais que vous êtes adulte, mais je prends soin de mes amis. Vu les endroits où ils m'envoient en patrouille, je ne manque pas de temps. Bon, apparemment, elle a bien pris le fait qu'on ait tué son mari, hein. Votre charge de garde ne vous satisfait pas ? Vous avez toujours des ennuis ? Je croyais que tout ça était derrière vous. Je ne suis plus très sûr ces derniers temps. On m'a confié des patrouilles inutiles. J'ai peut-être froissé la mauvaise personne. Vous êtes parfois un peu abrupte. Ça fait mon charme, non ? Je devrais pouvoir aller là où on a besoin de moi. En fait, j'ai peut-être une tâche à vous proposer. Si vous voulez rendre service à Kirkwall, venez me voir. Sinon, je suis là si vous avez besoin de moi. Par le Créateur. J'aimerais faire quelque chose de plus utile de mon temps. Et que voulez-vous que je fasse ? Très bien, Aveline. Vous avez quelque chose d'intéressant à faire ? Mes patrouilles sont peut-être de simples marches nocturnes, mais quelque chose d'important va arriver et je pourrais avoir besoin de vous. Une embuscade, probablement pour une caravane, mais je ne trouve aucune livraison qui corresponde. Mais ça importe peu. Si des brigands attendent de fondre sur une proie, je me dois de les arrêter, que ce soit ma juridiction ou non. Ok. Aveline, j'accepte de vous accompagner. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ils se cachent dans les terres brisées. C'est loin et escarpé, mais nous pourrons y être rapidement en prenant un raccourci. Et non, vous ne pouvez pas aller vous en charger sans moi. Je vous fais confiance, mais je dois être là. Vous agissez sous la responsabilité de la garde. Pourriez-vous arrêter de donner des coups de pied dans... Très bien. Bon, ceci dit, une guerrière au bouclier, on va pas la prendre avec nous, mais... Comment les gardes protègent-ils le fort s'ils restent à l'intérieur ? Je crois que Meryl, tu viens de te prendre un vent, là. Je disais, on va pas la prendre avec nous... Je pourrais peut-être vous aider, vous savez. Ah, tu vas te rendre utile, parce que, voilà, je préfère le... Oh, ouais, encore que... Bon, on verra. Bot 23-25, bah oui. Oui. Ok. Bon, sinon, tu veux parler ? Alors, que puis-je faire pour vous ? Le Créateur en soit témoin, je ne suis pas débordé. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. À propos de cette tâche... Vous aviez quelque chose qui pouvait m'intéresser ? Oui, l'embuscade dans les terres brisées. Je vous donnerai les détails une fois sur place. Et non, vous ne pouvez... Oui, d'accord, tu l'as déjà dit, ok. D'accord. Ben, on ira. On ira, très bien. Le vicomte doit être terriblement occupé. J'ai entendu les plus grandes parties de la journée. Ok, ben, alors là, on a pas mal de choses à faire ici. Voyons voir, site de l'embuscade, requête d'herboriste, libération non sollicitée, Sombre rue, il y a plein de trucs à faire, on verra plus tard. Bah écoutez, j'ai bien envie d'aller voir la côte escarpée. On va aller faire la libération non sollicitée. Alors est-ce que la zone est grande ? On sait pas. Ok, d'accord. En haut, en bas, en bas, en haut, en haut. Bon, les deux chemins mènent au même endroit. Ok. Mandement, au combat ! Allez! Un petit croc d'araignée, ça m'intéresse pas plus que ça. Vous allez bien? Pas grâce à ça. On ne trouve plus de l'âme décente de nos jours. Vous, en revanche, vous êtes ce dont un homme a besoin. Quelqu'un de passionné et de doué. On m'attaque, je réponds. Ni plus ni moins. Je n'ai pas demandé à être mêlé à ce pétrin. C'est toujours mieux que ce que j'avais. Écoutez, mon nom est Javaris Tintop. Je cherche quelqu'un pour m'aider à pacifier les Kunari.
J'ai comme l'impression qu'il ne sous-entend pas de leur chanter une petite perceuse. Ces têtes cornues à Kirkwall ont une poudre explosive. Et ce n'est que de la poussière, pas de lyrium, pas de démon. Tout le monde peut s'en servir. Quand je vois un imbécile, je me dis souvent, lui, il a besoin de pouvoir. Ils vous ont promis ça ? Je doute qu'ils étaient disposés à vendre. Cet Arishak a dit que je ne le méritais pas. Que seuls leurs proscrits, les Talvashov, sont à ce point mercantiles. J'ai dit parfait, je vais leur en toucher un mot. Ça ne s'est pas bien passé. Mais je me suis dit, peut-être qu'il changera d'avis si je me débarrasse de quelque chose qui le dérange plus que... moi. Les Talvashov. Les Talvashov. Vous vous sentez capable de chasser ? Les nains n'ont pas d'explosifs ? Votre peuple doit déjà avoir quelque chose de ce genre. Des petites choses bonnes pour réparer des petits défauts, mais pas pour retourner la terre. Et elles sont pour la plupart faites de lyrium. Cher, toxique, la chanterie a la main dessus. Son éclat fait de vous une cible. Ça n'a que des inconvénients. Ok, si ça paye bien, je suis d'accord. Très bien, j'interviendrai pour vous. Mais cela a un prix. J'en ai assez de courir après une bonne affaire. Je veux faire ça bien. D'après ce que je sais, il y aurait tout un camp sur la côte escarpée. Faites-leur la peau et retrouvez-moi au camp Kunari de Kirkwall. Ok. Faites ça bien et nous serons généreusement récompensés. Très généreusement. Espérons-le, parce que pour l'instant, on n'a pas eu affaire à l'Arishak. Donc l'Arishak, c'est le chef des Kunari à Kirkwall. Alors, quitter la zone, non. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des gravats. Une ceinture, voyons ça. Attaque plus 14, bah écoute, cadeau, voilà. Assassin d'Alassien. J'étais une bête sauvage, un loup-garou, j'ai fait des choses horribles, je suis désolé. Être désolé ne me rendra pas ma mère. J'étais une victime, moi aussi, Elf. Une victime de la vengeance de Zatrian. Calmez-la, je vous en prie. Bonjour, vous avez parlé de loup-garou ? Ai-je bien entendu ? Vous êtes un loup-garou ? J'en étais un, mais je ne le suis plus. Son archiviste d'Alassien avait frappé des humains de lycanthropie, il y a bien longtemps. La maladie s'est étendue au fil des années, mais le héros de Ferelden nous a libérés. Donc ça... On est bien d'accord que si je n'avais pas pris le parti des loups-garous pour les sauver dans le 1, ça n'aurait pas lieu d'être. Bon, d'accord, ok. Laissez-le partir. Il avait été infecté. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Vous le défendez, lui ? Bah pour dans le coup, cas, oui. Hein. Vous mourrez pour lui. Oh bah écoute. Tenez-vous. S'il y a que ça pour te faire plaisir, pas de soucis. Allez, couchez. Ouais, combattez, moi je pille. Hein. Alors, désolé, Dalassian, d'habitude je vous défends, mais là, je ne suis pas d'accord avec vous, je trouve que vous exagérez. Allez, mourez! Il n'était pas nécessaire d'en arriver là. Je suis bien d'accord. Prenez ceci. Et merci. Bah, de rien, merci. Écoute. Petite quête tranquille, pourquoi pas. Du coup, on va refaire le tour par en haut. Parce que là, j'imagine que le chemin continue par là. Donc là, on va voir ce que j'ai loupé. Visiblement, il y a une quête là-haut et il y en a une au sud également. Oh, des araignées, j'ai horreur des araignées. On en parle de la grosse armure de pierre de Meryl. Ah bah oui, attends. Faut bien qu'elle se défende, hein.
Si elle pouvait me la mettre à, si elle pouvait la mettre à Fenris, j'apprécierais plus que Kameri. Mais bon, je pense que Fenris en a plus besoin. Mais bon, ça. Oula, encore, il y a pas mal de quêtes par là. Il y a pas mal de quêtes par là. Oh là 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 là. Bon, ben allons-y. Allez, c'est parti, comme tu dis. Je rêve ou il vient de dire Bianca petite coquine lui. Non mais comment tu parles à ton arbalète? Elle est douteuse. Ouais, archer mercenaire. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Et un Kunari de moins. Bon débarras. C'était plus facile que prévu. Rappelez les hommes. Nous avons rendez-vous avec le vicomte. Pas vrai, Saemus? Ashad, vous l'avez tué. Sale catin, Vachedan. Tu parles leur langue. Voilà pourquoi il faut te traîner de force chez toi. Tu as une fâcheuse tendance à t'acoquiner avec ces créatures. Je parie que tu as fait bien pire, n'est-ce pas, sale morveux? Que se passe-t-il ici? Voilà une méthode de sauvetage un peu radicale, non? De la concurrence. Hélas, vous arrivez trop tard. Les Winter, je l'ai déjà capturé. Serra, puisqu'il le faut, j'accepte de rentrer. Mais je refuse que ces meurtriers reçoivent la récompense. Merde dépravé, je vais te trancher la langue et ton père me remerciera de t'avoir cloué le bec. Quant à vous, j'ai grand besoin de me divertir en attendant les autres. Non mais moi j'ai rien demandé, hein. Bon, même si en vrai je comptais en arriver là, mais j'ai rien demandé quand même. Bon, bref. Des renforts, beaucoup de renforts. Bah, si c'est ceux que j'ai croisés sur la route, t'es alors, tranquille, hein. Préparons-nous. Ratissons le camp. On va leur préparer un accueil digne de ce nom. Tenez-vous. On n'a pas eu le temps de faire grand-chose là. Allez, le toutou, viens te battre. Ah, il a déjà fait le tourbilol, dommage. Je voulais qu'il fasse un tourbilol. Bon, ben voilà. Par Andraste, je n'ai jamais vu autant de cadavres. Une vraie boucherie. Vous vous débrouillez très bien. Nous allons nous en sortir. Accrochez-vous. Il se peut qu'ils envoient des renforts. Ouais, effectivement. Il va falloir être plus rapide. Bon, bah ça fait de l'XP tout ça. Ah, mais il y a un mage qui m'a... Allez, couchez le commandant. Hop, hop. Allez, qu'est-ce que tu veux, toi? D'où tu m'attaques par derrière? Couchez. Non mais... Ashad n'était pas du genre à mentir ou à faire semblant. Avec lui, c'était tout ou rien. Ce ne sont pas les brutes qu'on raconte. Conduisez-moi auprès de mon père, et j'essaierai à nouveau de lui faire entendre raison.
Ok, bah je vous ramène à Kirkwall. Allons, Saemus. Votre père vous attend à la forteresse. Conduisez-moi jusqu'à lui. Ah, du coup, il va falloir qu'on revienne ici pour explorer la zone. Fils, j'ai bien cru ne jamais vous revoir. Assez, père. Permettez-moi de vous présenter Sarah Oak, Excellence. Il s'est acquitté de la mission. Je vous en suis reconnaissant. J'espère que vous n'avez pas rencontré trop de difficultés pour aider mon fils. Ça fait un honneur. Malgré quelques complications, j'ai eu le privilège de protéger votre fils du danger. On me dit que les Winters ont dû intervenir. L'incident était-il inévitable? Ils ont assassiné mon ami. Cela ne vous fait donc ni chaud ni froid? J'ai cru que vous aviez été capturé alors que vous crapahutiez seul et sans protection sur la côte, comme à votre habitude. On ne m'a pas capturé. J'étais avec Ashahad, un Kunari. Ce ne sont pas les monstres redoutables que l'on pense. Si vous faisiez un effort pour ouvrir les yeux, nul doute que vos sujets feraient de même. Il aurait été préférable que l'on croie à la thèse de votre enlèvement, plutôt que l'on voie peser sur ma famille des soupçons d'une quelconque influence Kunari, qu'il soit inoffensif ou pas. Bon, en vrai, c'est pas mon affaire, hein, mais moi, je veux juste mon argent. Je suis pas forcément un fervent défenseur des Kunari. Mais d'un autre côté, je suis pas pour exterminer les Kunari non plus. Donc, je vais pas dire qu'ils sont aussi bornés l'un que l'autre, parce que je vais me les mettre à dos tous les deux, donc je vais rester dans mon coin. Excusez-moi, mais cette affaire ne regarde que vous. Merci pour vos bons offices. Le Sénéchal va vous raccompagner. Et ma récompense ? 5 souverains, c'est tout, bah dis donc. Ah, t'étais mort, toi. T'as pas survécu, oh mon pauvre. Voilà. Bon, bah... Aucune chance. Merci. Du coup, on va repartir explorer la zone quand même, parce qu'il y a sûrement pas mal de récompenses à prendre. Bonjour. Et d'autres quêtes à faire. Donc, hop. La promesse de la poudre noire. Les Talvashov. N'avancez plus, humain. Ici, ce sont les Talvashov qui contrôlent la circulation. Je suis capable de braver n'importe quelle menace. Non, mais les provoque pas, on peut discuter. Vous êtes un aventurier bien équipé. Les miens vivent un peu plus loin. Ils ont bien changé, les Kunari, quand même. Si vous êtes aussi redoutable que vous en avez l'air, vous me rendriez service en les tuant. Mais pourquoi ? Vous vous êtes retourné contre les vôtres ? Oui, c'est la deuxième fois. Je n'aimais pas le rôle que j'avais au sein du Kun. Je ne veux pas non plus voler et tuer. Alors j'ai quitté ces Talvashov pour mettre en garde leurs victimes. Mais ce n'est pas votre cas. Je vais donc m'en aller. Bon, y a pas un moyen pacifique ? J'aimerais trouver un moyen pacifique d'avoir ce que je veux. Vous allez être déçus. Ils se nourrissent du chaos. C'est une liberté bien misérable. J'ai beau trahir les valeurs du Kun en travaillant comme mercenaire, j'ai toujours besoin d'or. Alors le Kun, c'est un petit peu la religion qui fait office de guide spirituel, mais aussi de loi pour les Kunari. Ils dédient toute leur vie entière à suivre la voie du Kun. Faut le savoir, même si on va en entendre parler un peu plus tard. Vous ne voulez pas m'aider ? Dois-je vraiment vous convaincre de faire le bon choix? J'ai déjà fait plus que je n'aurais dû de mon propre chef. Je vous ai prévenu, humain. Bon, ok, va-t'en. D'en tenir compte ou non. Plus il parle, moins je comprends. Ouais, moi ce que je comprends, c'est qu'on va quand même sauvegarder parce que les Kunari, c'est quand même de fiers guerriers, donc un incident est vite arrivé. Finissons. Allez, c'est parti. Comment il est arrivé là-haut, lui ? Ok. Bon, ça s'est plutôt bien passé pour le moment.
Un arc brisé, ça se revend. À mon compte. Mandement. Ok. Nani, tu sors toi. Allez, couché. Quel tir merveilleux, splendide même. Bien. Pierre a aiguisé démesuré. Ok. Un coffre standard, Varic. Ouais, s'il te plaît, je veux bien. Un bâton. Oh. Ça, ça m'intéresse. Alors, des dégâts de nature. Alors, c'est pas des dégâts de feu, mais clairement, ils n'aiment vraiment pas la glace. Ouais, non, non, les Kunari n'aiment pas la glace, ouais, c'est clair. D'une certaine façon, si on veut donner une explication scientifique, c'est quand même des guerriers qui ont le sang chaud d'une certaine façon. Donc, forcément, ils n'aiment pas trop la glace. Bah écoute, oui, on va prendre ce bâton. Je suis pas spécialisé en dégâts de nature, mais c'est pas grave. Et du coup, toi, du 11-15, bah écoute, voilà, tu vas prendre mon bâton de feu. Vire Tarsalan. Tu le vires, justement, c'est le cas de le dire. Alors. Bah, moi, pourquoi? Ok. Alors, la grotte des Talvashov. Oh, mais c'est pas vrai. Allez, couchez. C'est bon? Une pierre à aiguiser, oui. Allez, allons exterminer ces Kunari. Désolé Stan, si tu m'entends, c'est pas ma faute. Là, il n'y a rien. Une amulette. Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas? Santé plus 7. Ça, c'est intéressant, mais pour toi. Vu que t'es au CAC, si tu peux avoir un bonus de santé... Là, on est bien. Le combat. Par contre, un mécanisme pareil pour les portes dans une grotte, c'est bizarre. Hein. Bah écoute, oui, ça va. Et toi? La famille, les enfants, ça va? Alors, là, il n'y a rien. Là-haut. Un marteau. Est-ce que ça peut être considéré comme une arme à deux mains? Aussi. Ah bah 15-25, dégâts infligés au Kunari. Bah écoute, ouais, clairement. Hein. Je suis pas fan des marteaux, mais pour le coup, là, il n'y a pas photo. Hein. Et puis comme c'est pas moi qui... Enfin, c'est pas sur moi avec mon perso. J'ai envie de dire, c'est pas très grave si c'est un marteau. Ok. Le sang va... Oui, le sang va couler. Oui, oui, oui. Ah, blablabla. Alors, un tas d'or. Et une épée à deux mains. Alors, est-ce que l'épée à deux mains vaut le coup? 15-25, attaque plus 48. Bon, ben voilà. Le marteau aura pas duré longtemps. Allez, on y va. Alors, on va tuer l'officier. Voilà.
Oui, mais t'aurais pu, mais tu l'as pas fait. En attendant, voilà pour toi. Ok. Donc, Talbachov, c'est bon. L'officier, c'est bon. Là, ça continue. Là, en bas. Ah, il y a quelques petits bugs d'optimisation. Hein. La version PC n'est pas encore très, très opti. Hein. Enfin, elle est pas encore. Elle le saura jamais. Mais la version le portage PC n'est pas ultra opti. De l'argentite. Ça, ça servira. Et par là, qu'avons-nous ? J'imagine le chef. Ouais, ça a l'air d'être la dernière zone. Attends. Pour l'instant, je fouille, après on verra. Des rations, Sonari, je sais plus. Salut les gars! Bienvenue! Bon, on dira pas que je suis un petit peu au cac, mais quand même, hein. Ah mince, j'ai pas vu ma vie. Oh fuck. Fuck, j'avais pas vu ma vie. Ah, bien joué. Tiens, power. Aïe. Et j'ai pas sauvegardé forcément, sinon c'est pas drôle. Au revoir. Non, pas moi. Gentil. Au revoir. Alors est-ce qu'il y a moyen... Ah non, c'est pas le bon endroit. J'allais dire, est-ce qu'il y a moyen de fuir le combat? J'ai pas l'impression. Bah écoutez, on va pluie de flèches. Encore un peu et j'aurais plus qu'à creuser ma tombe. Ce n'était pas la meilleure chose à faire. On pourrait boucler ça le plus vite possible. Encore un peu, et j'aurais plus qu'à creuser ma tombe. Ouais. Bah voilà. Bah écoute, déjà. Il a eu un peu de mal, notre cher ami Varric. Ok, bon, bah voilà, le chef est mort. Formule de grenade à combustion. Il faut foncer sur le mage Kunari, c'est lui qui t'a fait de gros dégâts. Ouais, peut-être. Je t'avoue que, en fait, je ne l'avais même pas vu, le mage Kunari, au début, hein, très sincèrement. Par contre, juste avant de commencer, je me suis souvenu que la première fois que j'avais fait cette zone, quand je jouais pour la première fois au jeu, j'étais mort aussi, à cet endroit-là. Mais en même temps, cette zone, j'avais dû la faire au début, donc j'étais un peu en sous-level la première fois que je l'avais faite. Ok, donc on va fouiller, et apparemment, c'est pas fini, on va continuer. N'empêche, heureusement qu'il y a eu une sauvegarde auto, sinon ça aurait été un petit peu compliqué. Alors, on va continuer la grotte. Hop. Plume de corbeau, ouais. Et là, il y avait un coffre, hein, me semble-t-il. Ouais. Ration Kunari. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, mais si. Attendez, là-bas, c'est pas la grotte. Non, quitte à la zone. J'allais dire la grotte qu'on avait déjà visitée, mais non. Bonjour. Mais si, on est déjà venu ici, non? Non? Non, je confonds. Alors, un arc court, ouais. Un diamant imparfait. C'est toujours mieux qu'un diamant fissuré. Alors, quittons la zone. Et la récompense, je vais la donner à qui? La promesse de la poudre noire, ok. Lugubre épiphanie. Du coup, la côte escarpée, on a tout fait. Ça, on verra après. Les terres brisées, c'est les requêtes de l'herboriste, on verra plus tard. Perle noire, sombre rue. Bah écoutez, on va aller veiller, valider toutes ces quêtes. Donc, hein,
Oh là 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 là. C'est bon ? Bien. Je disais donc la cachette. Voici la cache. J'ai... La quête est finie du coup ? Les missives gardaison ont été livrées. Rendez-vous à la maison de Galem pour en apprendre davantage. Et c'est où ça ? C'est pas ici visiblement. Se montrer reconnaissant. C'est pas ici visiblement. Ça doit être dans la rue sombre, la sombre rue. Il y a une sortie rapidement ici. Foutez-moi le camp. Non mais je ne te permets pas. Alors, je crois savoir que nous devons vous remercier pour la restitution des lettres des gardes des ombres disparues. Ces actes ne sont pas passés inaperçus. Veuillez recevoir la bénédiction des gardes des ombres ainsi que cette récompense. Nous vous remercions d'observer une discrétion de rigueur dans cette affaire. Alors, 2 souverains, 400 d'XP. Oh, tu parles mieux, je t'ai dit. Ok. Voilà. Ensuite, on va aller faire la promesse de la poudre noire. Donc, il faut se rendre dans l'enclave Kunari. Même si je suis pas certain que ça se passera bien. Mon peuple. Les elfes de Teyvinter. Laissez-moi passer. Je dois rencontrer le nain Javaris et votre Arishak. La petite personne, oui. Entrez si vous le devez, Basra. Merci. Alors, pas de bêtises. On va pas déclencher une émeute dans le camp Kunari. Alors, l'Arishak n'est pas là, visiblement. Ah, voilà mon bras droit. Invoquez votre Arishak. J'ai rempli ma part du marché. Il était temps. J'attends depuis des heures. Shokost, Maras Chokra, Anan et Samkun. Le Kun d'un elfe. La folie règne dans cet endroit. Vous le connaissez ? Un ami à vous ? L'ami de personne. Oui, bon, ceci étant dit, je suis venu vous dire que vos chers Talvashov sont tous morts, n'est-ce pas ? Oui, tous morts. Donc, je suis prêt à ouvrir les négociations. Pour la poudre explosive, comme convenu. Non. Il ne comprend pas. Faites dire quelque chose à votre moulin à parole d'elfe. J'ai pas vraiment envie de me froisser avec les Kunari. Mais là, pour le coup, ma curiosité... voilà. Va prendre le dessus. Fenris ? Une idée qui aiderait ? Les Kunari ne renoncent pas à une dette. Je sollicite humblement une explication de l'Arishak. Vous me dégoûtez de moins en moins. Ce marché pour le Gatlok est une invention du nain. Il a imaginé une tâche pour prouver sa valeur, alors qu'il n'en a aucune. Je suis donc d'accord. Nous sommes immiscés à tort dans vos affaires. Souhaitez-vous la mort de ce nain ? Attendez, comment ça ? Si vous avez affronté les Talvashov, ils ne vous méritent pas comme bourreaux. Comme ils ne méritaient pas de mourir de leurs mains. Mais vous, vous êtes de bonne compagnie. Laissez-le vivre et disparaissez. Voilà. Vous feriez mieux de partir, Javaris. Mais j'ai envie de dire qu'il... En fait, j'ai envie de dire... Je vais pas lui dire, on m'a promis des profits à venir. Je veux dire, c'est pas l'Arishak qui va me donner des profits. Je pense que là, rien qu'avec sa façon de parler, vous avez cerné un petit peu le genre de personnage à qui on a affaire. Mais le, il me doit toujours de l'argent. Ouais, mais en même temps, les Kunari, on en a un peu rien à faire de ça. Donc, vous ferez mieux de partir, Javaris. Vous devriez profiter de cette opportunité pour vous en aller. Mais il doit le vendre. C'est un bien. Des gens voudront l'acheter. Il n'y a aucun intérêt à donner plus de pouvoir à ceux qui ne suivent pas le Kun. L'art de créer le Gatlok nous est réservé. Si nos ennemis veulent y goûter, ce ne sera que de manière traditionnelle.
Vous êtes un peuple agaçant. Et vous êtes congédié, saloperie de sorcier, scélérat, tous autant que vous êtes. Fais gaffe, toi, parce que moi, je suis pas le Harishak, je peux très bien te... Il n'y a plus d'argent pour vous ici. Bon, bah... Ok, bah merci. Au revoir. Les Kunari. De toutes les dates, les fidèles du Kun sont probablement le groupe qui donne naissance au plus grand nombre de malentendus. Certes, les guerres Kunari furent toujours brutales, mais pas plus que ne le fut le schisme de la Chantrie, ni la chute de l'Empire d'ailleurs. Certains de ces malentendus relèvent de leur nature même. La race que l'on nomme Kunari est tout bonnement impressionnante. La nature en dota les individus de cornes menaçantes, plantant d'étranges yeux sur leur face, si bien que les ignorants ne voient en eux guère que plus que des monstres. D'autres malentendus résultent d'un problème de langue. Parmi les adeptes du Kun, ils ne sont que peu à parler de la langue commune, et encore moins à la parler correctement. Dans une culture qui prône la domination pour imposer le respect, il est peu dire que les connaissances bancales des Kunari ne les mettent pas à leur avantage. Parmi les étrangers, la plupart préfèrent garder le silence pour ne pas s'exposer à l'ordre à l'opprobre public. Mais les principales incompréhensions résultent de leur culture en elle-même. Pour les Kunari, la société est un tout, une entité vivante, unique, dont la santé et le bien-être relèvent de la responsabilité de chacun. Chaque individu qui la compose ne représente qu'une infime partie d'un tout, une goutte de sang dans une artère. Chaque individu n'est pas important en tant que tel, mais pour ce qu'il représente par rapport à la créature dans son ensemble. C'est en partie pour cela que la plupart des Kunari que l'on le peut rencontrer sont engagés dans l'armée considérée par le Kun comme l'incarnation physique du corps, des bras, des jambes, des yeux et des oreilles. Tout ce dont une créature a besoin pour interagir avec le monde. Tout comme l'on ne peut apprendre à connaître autrui par le simple fait d'étudier un échantillon de lui, sa main ou son pied, il est impossible de rencontrer réellement un Kunari tant qu'on n'a pas vu leur cité, car c'est là qu'évolue l'esprit, l'âme de tout Kunari. À Seheron et Parvolen, on peut observer les Kunari dans leur ensemble. Là, l'union des Kunari en tant qu'entité vivante unique, qu'être unique, saute aux yeux. Les travailleurs, que le Kun désigne comme l'esprit, produisent tout ce dont a besoin un Kunari. L'âme, sorte de clergé, est en perpétuelle recherche d'une meilleure compréhension de l'être du monde et exhorte le corps et l'esprit à lutter sans relâche pour atteindre la perfection. Chaque individu a une place qui lui est attribuée par le Kun, une place à partir de laquelle il doit constamment œuvrer pour le bien de la collectivité. Cette vie est une vie de certitude, d'égalité et non d'individualité. Moi je dis ça se défend comme façon de fonctionner, hein, parce que mine de rien, prôner l'individualité, c'est prôner en quelque sorte le chaos dans une société, mine de rien. Alors certains seront peut-être pas d'accord avec moi, mais si tout le monde se plie à l'idée de l'intérêt commun, sans en mettant de côté toutes les questions d'individualisme égoïste, bah forcément la société se portera mieux, hein. Je pense que de ce point de vue-là... Bon, ben là, on est pas mal, parce qu'on a clean pas mal de zones. Donc là, il reste Sombre Rue et le Palais des Perles Noires. Sombre Rue et... Ah, Rumeur, un berger. Donc ça, on pourra le faire de nuit. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Éviter de justesse. Ah oui, l'embuscade avec la nana. Requête d'herboriste. Bon, ça, c'est la partie qui va être pas intéressante, je pense. Mais bon. Ok. Et à la maison... maison, il y avait rien, hein. Pas de dialogue, pas de lettres. Je sais plus. Non, il n'y avait rien. Sauvegarder quand même. Je vais juste... 23h30. Est-ce qu'on se lance dans une nouvelle quête maintenant? Non, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On ne va pas se lancer dans une nouvelle zone maintenant parce qu'il commence à se faire tard. Je pense que tout le monde n'est pas en vacances, donc je préfère m'arrêter là. Voilà. Bon, mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent jusqu'à la fin. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu avant de partir si vous ne l'avez pas fait. Et puis, pareil pour ceux qui regardent la rediffusion, hein. Sur ce, bonne soirée et à la prochaine tout le monde. Salut, salut !